La France est très heureuse de soutenir et de faire partie de ce nouveau programme de la Fondation Hasdrubal avec Laurent Jost et Ziad Zoari pour la formation musicale et les échanges artistiques de haut niveau entre musiciens tunisiens et musiciens européens, en particulier français. Cette résidence artistique qui s'ouvre demain et qui donnera lieu aussi à un très beau concert à Hammamet, s'inscrit dans le cadre d'une coopération qui a commencé en 2022 par la signature d'une convention entre la Fondation Hasdrubal, le CNSM, qui est le Conservatoire supérieur national de musique et de danse à Paris, qui est une institution de très haut niveau pour l'enseignement musical et artistique en France, et puis l'Institut français de Tunis qui soutient cette action. C'est une action où on forme des musiciens tunisiens et tunisiennes, mais également des jeunes artistes musiciens français du CNSM qui viennent ici. Donc il y a une dimension d'échange, une dimension de partage entre jeunes musiciens, et ensuite il y a une résidence artistique qui donne lieu à des concerts, et tout ceci se répète. Donc il y a des séries de formations à chaque fois d'une semaine, avec la volonté de donner accès à celle-ci à des jeunes artistes des 24 gouvernorats de la Tunisie. Et on a abordé aussi ce matin une autre dimension très importante, qui est la dimension du tourisme culturel. Et la musique fait partie aussi, est une composante de l'attrait des destinations qui cherchent à développer la dimension culturelle du tourisme. Tunisie, avec les très beaux festivals qu'elle accueille, avec le patrimoine exceptionnel qu'elle a, je crois, a un potentiel formidable, et tout ceci peut également y contribuer.